préparation ce matin. Sous le gros sel. On a brûlé la biscotte. Alors qu'est-ce qu'on mange de bon, monsieur Geoffroy Lignac? La marès con el maïsco. Ah si, et on en donne aussi au carrelage, parce que c'est bon. C'est juste exceptionnel. J'ai jamais vu des paysages comme ça de ma vie. Certainement pas en plus à moto, sachant qu'il a plu de folie toute la veille. Heureusement, nous n'avons que 10 degrés ce matin, a priori, mais on va déjà enlever les manteaux parce que suite à une petite glissade, on a dû relever la bestiole qui est là-bas. Et puis, bah écoute, on va repartir. Thank you.
quelque endroit piégeux. Un peu physique quand même. La terre est molle, on s'enfonce dedans, ça part n'importe où. Le poids des motos, le centre de gravité qui est hyper haut. Là on fait pas les fiers. Bien. Mais ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Là j'en baffe comme jamais dans ma vie en moto, c'est de la glaise, il y a zéro adhérence. Et c'est l'enfer dans un cadre de paradis. Bon, j'ai pas de nouvelles de Geoffroy là, ça fait quelques minutes que je l'attends. Je pense qu'il s'est pris une petite pelle. Joe ! Il y a un très bel écho. Joe ! Toujours pas de nouvelles de Joe. Eh ben écoutez, je vais remonter tout ça à pied. Ce calvaire là, ça va me faire un peu les cuissons. Oh là, c'est magnifique là-bas. C'est vraiment sublime. Bon, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Allez, on part à arpenter. Le petit chemin. Waouh, quelle aventure les gars, quelle aventure. J'en ai jamais autant bavé en moto. C'est un truc de fou, mais c'est dur, mais c'est bon. Sauf le sol, lui il est pas dur. Il est tout. Ouais, Joe qui arrive. Alors le problème avec les vidéos, c'est que ça écrase toujours un peu les reliefs. Là voilà, il y a à peu près 15% de dénivelé. Et Joe est un pilote vraiment expérimenté. Et si vous arrivez à voir là, comment... Il est un peu en train de lutter, de travailler comme on dit, hein. Travailler son guidon et ses freins. Je vais s'apprécier. Je me serais bien accroupi pour donner un effet de pente un peu plus important, mais je reconnais très modestement avoir peur des vipères. Et là on entend le bruit des sacoches qui frottent sur la végétation. Voilà, une petite complexité encore. Dans ce courbier, pour pas employer un autre terme plus grossier,
Depuis je ne sais combien de temps, on a été obligé de démonter les garde-boue avant des motos qui étaient absolument chargés de boue. Et Joe, pour paniquer ses câbles, il a carrément démonté toutes les paquettes. Voilà, il a tout viré, tout planqué là. Joe, respect, t'es un guerrier, mon pote. Et les garde-boue, ils sont attelés. Et maintenant, on a trouvé un petit chemin, on va voir ce que ça donne. Allez, gaz! Ouais. Ah, il a fait mieux que moi. Moi, je me suis pris une pelle. Comme un débutant. Et bah, j'ai niqué la deuxième pâtisse. Hein, donc, tant qu'à faire. Voilà. Les stigmates de la honte.